Grand est notre plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour et merci de suivre ce journal de 7 heures sur la RTNC et également toutes nos excuses pour ce léger retard avec lequel nous débutons ce journal. Le chef de l'État est arrivé depuis hier à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Félix-Antoine Tshisekedi va présider la 9e session de la conférence des gouverneurs qui est prévue pour aujourd'hui, jeudi 22 décembre 2022. Suivons ce qu'a été l'accueil de la population de Mbandaka au chef de l'État. Forte mobilisation aux abords de l'aéroport national de Mbandaka ce mercredi 21 décembre 2022. Un jour pas comme les autres pour les habitants de cette ville portuaire. Plus les heures s'égrènent, l'ambiance n'est fait que monter d'un cran. Dans l'enceinte, autorités nationales, provinciales, coutumières, notables, chefs religieux et autres forces vives de la province étaient présents pour réserver un accueil chaleureux aux premiers citoyens du pays. Des regards orientés vers le ciel pour voir apparaître l'avion transportant le garant de la nation. Et c'est en début de soirée que le couple présidentiel a foulé le sol mbandaké. Tout un symbole, car il s'agit d'une première mission d'itinérance du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans les chefs-lieux de la province de l'Équateur depuis son élection à la magistrature suprême. Après les cérémoniales protocolaires, les honneurs militaires. S'en est suivi les salutations avec les différentes personnalités qui ont constitué le comité d'accueil. À l'extérieur, le chef de l'État et la distinguée première dame se sont offerts un bain de foule. Noyé dans cette masse, le couple présidentiel a véritablement communié avec cette population amassée le long des principales artères de la ville. Une procession qui s'est poursuivie jusqu'au terrain situé à l'esplanade de la maison communale de Wangata, dans le centre-ville de Mbandaka, où plusieurs milliers de personnes l'attendaient pour son grand meeting. Introduit par le gouverneur de province, le chef de l'État, prenant la parole, a commencé par présenter des excuses pour le nombreux report de sa visite dans cette province. Toujours préoccupé par le sort de nos compatriotes dans l'est du pays, Félix Tshisekedi a fait savoir que l'agression dont la RDC est victime est désormais condamnée par la communauté internationale qui demande au Rwanda d'arrêter de soutenir le M23. En ce qui concerne les vécus quotidiens de cette population rendue difficile par l'inexistence du courant électrique et le manque d'eau potable, le président de la République a répondu en présentant le programme de 145 territoires comme celui qui va apporter des solutions durables. Otobengi, il y a 145 territoires. Au Congo, Nabiso Mobimba, et Salemi et Tongami, il y a 145 territoires. Le territoire Nyon Soana, ce qui est au bandit Mosala, il y a Kobongi Sayango, Kotonga Yango, Nabanzi Tokosi Lisa, Makambo et Bele, Oezali, Kotungi Sabiso Lelo. Makambo lokola ya courant na mai ezali na kati ya programme wana. Na yepe awa na Mbandaka oyoki na obike na kozonga kaka mokolo ya la veille ya Noël le 24. Me boye ba ke le 24 wana tokobanda likambo yo tolobi enrôlement, il y a des électeurs pour na maponomi au ya 2023. Yango ngana lingi kopesa ndakisa awa na Mbandaka pour na ko honorer bana ya province ya Équateur pe ko lakisa bango nzela ya kokende ko s'enrôler. Le meeting s'est ensuite transformé en tribune d'expression populaire. Dans ces échanges, le chef de l'État a écouté et a promis d'apporter urgemment des réponses aux préoccupations de cette population. Les assises de la conférence de gouverneurs qui s'ouvre ce jeudi examineront en profondeur les réalités de cet espace, mais aussi de l'ensemble du pays. Et comme vous l'avez suivi, le chef de l'État a eu des échanges directs avec la population et les organisations de la société civile. Suivons encore un autre extrait. Merci Nabino.
Gaïna Mama, la délégation Nanga Mobimba, Totondi Minobo Tondi, Nandenge Boyambi Bisona et Sengo, Kasiani Boso, Nalingina Nona Senga Bolimbisi, Bonandenge et Sengela Kitoya déjà, et Sengela Kina Komawa, et Leki déjà, Asanda et Bélé, et Boyebi, Likambo, Yamutu yao ekanga kibiso awa na mboka Mbandaka oyo ya fièvre ya Ebola. Malheureusement, Baminganga, Bayako Lobake, non, président Koko Manan Kunate, Koko Kende na yo kuna, et comme ma ba délégation est belé, si ma ba délégation wana, et koki, kosangana, Baibana Bokono et à Kobebisa, Bisoutou et à Gravé Bisoutou situation. Yamon Alinga qui passe l'Isanano, Likambouana, de l'autre longue maladie en Aya Ebola, le Koki Sikoyo, au Monana, Malam. Nien, nien! Nien, nien! Likambou Bibale, Nalingina Lobanabino, Ezali Kotala Oyo, na yo kinga moko na matoi nanga uta, na kitaki na aéroport. Likamboro, bozali kobele la ya courant. Na yo ki, ebali yo bozali kobele la, et pas le gouverneur à l'obi, dans le courant. La Bikina Yeba, les Kambamou, les Ali, Dengedini. Courant, les Ali, tout, les Ali, et sachez que bien avant de quitter Kinshasa pour Mbandaka dans la province de l'Équateur, le président de la République avait reçu la secrétaire d'État française venue lui faire part de l'implication de la France à la levée des notifications d'achat d'armes par la RDC au Conseil de sécurité des Nations Unies. Reportage Elvira Pandou, Claude Mboui. Les conseils de sécurité des Nations Unies a mis fin à la procédure des notifications préalables en cas d'achat d'armes et de matériel militaire par la République démocratique du Congo. La secrétaire d'État française, Srisula Zakharopoulou, qui a été reçue ce mercredi 21 décembre à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déclaré que la France a défendu et défendra toujours la RDC. J'ai échangé sur une nouvelle qui est passée hier aux Nations Unies. Vous savez, sous la impulsion de la France, et il a été voté la levée de l'obligation de notification pour la livraison des armements ainsi que de l'assistance militaire à la RDC. Alors, cette résolution a été votée hier à l'unanimité, et le président Tshisekedi remercie la France pour cela. La situation sécuritaire dans la partie est de la RDC et le partenariat entre les deux pays dans plusieurs domaines étaient également au menu de leurs échanges. Concernant la situation à l'est du pays, les M23 doivent cesser les combats et la France condamne le soutien que le Rwanda apporte au groupe M23. Nous devons trouver une solution et il faut finir avec la répétition de l'histoire dans cette région. La France parle à la RDC, le président Emmanuel Macron parle souvent au président Tshisekedi. Nous parlons avec la région et soutenons la médiation de l'Angola et du Kenya. Et nous parlons enfin au Rwanda, mais au-delà de ces conflits, nous avons beaucoup parlé de notre partenariat entre les deux pays. On a parlé beaucoup de la jeunesse et de tous les projets. On a parlé de l'éducation, on a parlé des artistes, tous les développements de l'industrie culturelle et sportive à votre pays,
Et vous savez que la France est engagée et elle a envie de renforcer ce partenariat. La France a la responsabilité de proposer des résolutions et déclarations relatives à la situation en République démocratique du Congo au Conseil de sécurité de l'ONU. La RDC et la France se nourrissent par ailleurs d'un lien privilégié fondé sur la francophonie. 250 millions d'euros, c'est le montant que disponibilise la Belgique en faveur des populations pauvres de la RDC pour l'amélioration de vie. Les deux pays ont procédé à la signature d'une convention spécifique RDC et Belgique, et ces deux pays étaient représentés du côté Congo, du côté RDC, par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Coopération au Développement et de la Politique de Grandes Villes de Belgique. Doris Mozo, Henri Amouli ont signé son reportage. La Belgique et la RDC sont déterminés à consolider davantage leurs liens de coopération. Cela s'est traduit par cette signature de convention spécifique RDC-Belgique. La Belgique va disponibiliser 250 millions d'euros pour une période de 2023 à 2027. Ce portefeuille de coopération entre la RDC et la Belgique, à travers Annabel, vise à contribuer à l'amélioration structurelle et durable des conditions de vie des populations qui vivent sous le seuil de pauvreté en promouvant leur résilience et leur autonomie. Les provinces concernées par ce programme sont Kinshasa, Sud-Ubangi, Tchopo, Kasaï-Oriental, Lomami, Okatanga et Lualaba, ainsi que le Sud Kivu et le Maniema. Madame Caroline Guénèse, ministre de la Coopération au Développement et de la Politique de Grandes Villes, qui a représenté la Belgique, a dans son mot de circonstances relevé que cette enveloppe va permettre de résoudre les multiples crises, mais aussi améliorer l'avenir de jeunes et de femmes. Christophe Lutundula Palapena-Pala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a lui remercié la Belgique, partenaire privilégié de la République démocratique du Congo. Ce programme, pense-t-il, va aider la RDC à faire face à certains défis de développement. Ce qui reste aujourd'hui, et c'est le défi majeur, c'est la mise en œuvre de notre convention pour qu'elle rencontre les priorités, pour qu'elle rencontre les aspirations de nos populations. Une décision courageuse prise par Sa Majesté le Roi et le Président Tshisekedi de tourner la page et d'ouvrir une autre page qui sera écrite en lettres d'or sous l'avenir de la Belgique et la RDC. Pendant 5 ans, ce programme va s'exécuter dans le secteur d'éducation de base de jeunes et des femmes en revalorisant leur potentiel, la santé sexuelle, en améliorant l'accès aux services sociaux de base par une protection sociale, la lutte contre les violences sexuelles, les réchauffements climatiques et la lutte contre la déforestation. Le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a eu des échanges avec le président de la Commission électorale nationale indépendante. L'objectif poursuivi par ces deux institutions d'appui à la démocratie est d'arrêter des stratégies communes liées au processus électoral en cours en vue d'encadrer les médias en période électorale. Téti Samba. Au cours de cette rencontre avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, il était question pour le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication d'arter les stratégies communes en lien avec le processus électoral en cours. Les deux parties ont échangé sur les démarches futures qu'il faudrait mettre en place pour assurer une bonne communication, comme l'explique ici le rapporteur du CESAC, Oscar Kabamba. Il était question de pouvoir arrêter des stratégies communes en prévision du processus électoral qui est déjà en cours. Il fallait que la CENI et le CESAC puissent tout simplement échanger sur les démarches futures qu'il faudrait mettre en place pour essayer d'assurer une bonne communication en direction de la population. Vous avez vu par exemple dans les médias, le CESAC avait mis hier une recommandation signée par le président et les rapporteurs, en fait demandant aux médias et même aux acteurs politiques de pouvoir s'abstenir à se lancer dans ce que nous avons appelé une campagne électorale précoce. Eh bien, ça fait partie de toutes ces stratégies et bien d'autres que nous venons de définir ici avec la CENI. Vous en saurez un peu plus peut-être pour que prochainement
nous puissions aller dans la même direction. Il est à noter que le CESAC a rendu public un communiqué demandant aux médias et même aux acteurs politiques de pouvoir s'abstenir de se lancer dans une campagne électorale précoce. 2023, une année électorale, et pour bien débuter cette année, les sénateurs de l'espace Grand Kassai ont été reçus par le premier vice-président du Sénat. Ensemble, ils ont évoqué les questions liées à la sensibilisation de leurs bases respectives. Reportage. Autour du premier vice-président de la Chambre haute du Parlement, Eddy Mundela Kankou, les sénateurs de l'espace Grand Kassai, toutes tendances confondues, ont abordé plusieurs questions d'actualité concernant ce qu'ils ont en commun, la région du Grand Kassai. Selon le président du caucus des sénateurs de l'espace Grand Kassai, Denis Kambayi, outre l'évaluation de la session parlementaire qui vient d'être clôturée et la projection des 7 mars 2023, ces représentants de la population kassaïenne ont mis l'accent sur les préparatifs de l'année électorale, avec en toile de fond la sensibilisation de leurs bases respectives en l'enrôlement massif en vue de la réélection du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'année qui commence est une année électorale, fondamentalement électorale. Nous devons savoir quelles sont les stratégies de communication par rapport à la province du Kassai, Tshikapa, Kassai central Kananga, Kassai oriental Mbujimayi, Lomami Kabinda, et Sankuru Lusambo. C'est des questions politiques et aussi faire l'évaluation de notre session parlementaire. Nous avons parlé de l'évaluation de ce que nous avons fait pendant cette session et ce que nous allons faire pour la session de mars. Et nous avons aussi parlé des élections, des stratégies à prendre et notre vision. Et aussi des questions de développement de l'espace du Grand Kassai. Eddy Mundela Kankou a également pris part active au forum sur les renforcements de la cohésion sociale dans la région centre de la République démocratique du Congo à Béatrice Hôtel, une initiative de la maison civile du chef de l'État. Un rendez-vous au cours duquel Mundela Kankou a contribué aux échanges en commission sur les différents mécanismes favorisant le développement, la cohésion, la paix et l'unité des filles et fils de l'espace Grand Kassai. Les femmes entrepreneurs de la RDC se sont donné rendez-vous à la Foire internationale de Kinshasa dans une exposition dénommée Marché de samedi, et elles ont été honorées par la visite de la directrice générale de la Radio-Télévision nationale congolaise, Sylvie Elenge-Molaï. Reportage. Encourager l'entrepreneuriat féminin, facteur de l'autonomisation de la femme, cette initiative de prise de conscience de la femme a poussé Madame le directeur général de la Radio-Télévision nationale congolaise, Sylvie Elenge Nolaï Nyembo, à visiter les femmes entrepreneurs de la RDC à la Foire internationale de Kinshasa, FIKIN. Le marché de samedi, c'est le nom de l'exposition qui valorise les ressources locales et met en lumière les idées des femmes matérialisées par leurs petites créations qui font vivre les petites et moyennes entreprises congolaises. Madame le directeur général les encourage pour cette initiative. Ce qui nous motive également à encourager les femmes, c'est que récemment, dans l'adresse du président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a parlé de ce marché et des initiatives des femmes qui promeuvent les produits locaux. Donc pour nous, nous ne pouvions rester assises dans nos bureaux, à la chaîne. C'était de venir également voir ce qui est fait ici et vous encourager à porter également notre pierre à l'édifice. De la maman maraîchère à la vendeuse, au niveau des stands, toutes satisfaites de leur travail, on saisit cette opportunité pour lancer un appel aux autres femmes d'intégrer la Commission nationale des femmes entrepreneurs de la RDC. Ma maman Obobengi, ma maman Marie-Chère, tous autres travaillent, bisomoko na maboko, vraiment, c'est vraiment difficile. Si vous pouvez nous aider avec les outils, ça sera encore plus mieux. Venez les femmes, nous allons travailler ensemble. Nous savons qu'avec vous, les mamans, ça ira mieux. Notons que le secteur de PME, industrie, commerce ou encore l'artisanat ont été valablement représentés à cette exposition qui contribue activement à la croissance économique du pays. Les femmes fonctionnaires du ministère du Plan viennent d'être outillées en suivi et évaluation de la mise en œuvre des politiques, programmes et projets. C'était au cours de l'atelier de programmation, de développement et budgétisation sensible aux gens qui s'est clôturé dernièrement au Collège Wobuto. Peggy Mukunda.
sensibiliser et vulgariser au maximum les notions relatives au genre, aux cadres et agents des services publics de l'État, plus particulièrement les hommes et les femmes de l'administration du plan. C'est l'une des recommandations formulées à l'issue de l'atelier de renforcement des capacités des femmes du ministère du plan en outils programmatiques de développement et de budgétisation sensible au genre au niveau stratégique et opérationnel. Après cette session de formation et de sensibilisation, une opportunité vous est offerte de faire bénéficier à la nation et à tous vos collaborateurs dans vos différents services de l'expertise rare et la pratique de la gestion axée sur les résultats au sein de notre administration. Je ne saurais terminer mon propos sans souligner que les notions de planification au développement et de budgétisation sensible au genre traduisent le souci du gouvernement de la République de redonner à l'administration publique son rôle de moteur de développement social de notre pays. Ces assises qui apporteront de nouvelles dynamiques de l'administration publique permettront aux femmes du ministère du Plan d'être outillées en suivi et évaluation de la mise en œuvre de politiques, programmes et projets. Pour ces différentes œuvres réalisées dans le domaine de réhabilitation de routes en RDC, la cellule des infrastructures de la JICA vient d'être primée. Elle a reçu hier le prix du président japonais qui récompense chaque année les personnes ou organisations qui ont contribué de manière significative au développement socio-économique d'un pays. Eric Kabamba pour le commentaire. Les travaux des grandes envergures bien faits avec de preuves palpables qui viennent enfin d'être récompensés. L'apport exceptionnel et les œuvres réalisées par la cellule des infrastructures dont différents projets financés par la JICA lui valent aujourd'hui le prix du président de l'Agence japonaise de coopération internationale. Les coordonnateurs de la cellule des infrastructures Teountela s'est dit très flatté de la qualité du travail réalisé par sa cellule aujourd'hui, reconnu au niveau international. Dans la promotion de la coopération entre le Japon et la République démocratique du Congo en matière des infrastructures en tant que membre principal de l'agence de mise en œuvre des projets, contribuant ainsi à la réalisation de différentes infrastructures de haute qualité portées par le Japon et à l'établissement d'une grande réputation au sein de la population congolaise grâce à l'assistance japonaise par le biais de ces infrastructures. Ces prix et cette cérémonie somptueuse n'ont pas seulement inspiré Teountela, mais aussi le personnel de la cellule des infrastructures dans son ensemble. En croire le représentant résident de la JICA qui avait à ses côtés l'ambassadeur du Japon en RDC, l'Agence japonaise de coopération internationale décerne chaque année le prix du président de la JICA pour récompenser les personnes et les organisations qui ont contribué de manière significative au développement socio-économique des pays en développement dans le cadre des activités de coopération internationale de la JICA. La requête de la Commission électorale nationale indépendante, poursuite et diligence du président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, en interprétation de l'article 5, alinéa 5 de la Constitution, c'est le sujet pour lequel la Cour constitutionnelle, siégeant en matière d'interprétation, s'est réunie en audience le mardi dernier, une audience présidée par Dieudonné Kamouleta, président de la Cour constitutionnelle. Sa reportage commenté par Jean-Pierre Ndolo-Demazou. Dans son arrêt lu par le président Dieudonné Kamouleta, la Cour a estimé que la CENI n'est pas compétente pour la saisir. Cependant, dans son rôle régulateur, la Cour constitutionnelle a jugé la requête du président de la CENI recevable. La Cour constitutionnelle se déclare compétente, dit que la requérante n'a pas qualité pour saisir la Cour en interprétation des dispositions de la Constitution. Cependant, la recevabilité de cette requête n'est appréciée qu'à l'aune du rôle régulateur des pouvoirs publics que la Cour constitutionnelle est appelée à jouer en vue d'assurer la régularité du processus électoral et le bon fonctionnement des institutions de la République. Constate l'impossibilité pour la CENI d'organiser, durant le processus électoral en cours, des opérations d'identification et d'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger
six pays où la République démocratique du Congo a des représentations diplomatiques. La CENI peut organiser les opérations d'identification et d'envoiement des Congolais résidant à l'étranger uniquement dans les cinq pays pilotes sélectionnés, en l'occurrence l'Afrique du Sud, la Belgique, le Canada, les États-Unis d'Amérique et la France. La Cour a ordonné au gouvernement pour les cycles électoraux à venir, en commençant par le tout prochain, que tous les moyens soient mis à la disposition de la CENI afin qu'elle procède à l'identification et à l'enrôlement régulier de tous les Congolais, y compris ceux vivant à l'étranger, en commençant par le tout prochain cycle électoral. Le réseau des centres de formation professionnelle assistance à l'enfant défavorisé a eu une rencontre avec la ministre de la formation professionnelle. Les détails de cette rencontre avec Cédric Kenina. Les centres de formation professionnelle assistance à l'enfant défavorisé AID, un véritable levier pour la formation professionnelle. Il s'agit pour ces réseaux composés des 12 centres de formation professionnelle, dont 8 à Kinshasa, 2 au Congo central, 2 autres au Kulu, de présenter les différentes activités organisées ici et ainsi solliciter l'accompagnement et la prise en charge de son personnel par l'État congolais et au finish, les doter du statut d'un centre public. La maçonnerie, la menuiserie, soudure et ajustage, coupe et couture, la boulangerie et pâtisserie, telles sont les filières qui y sont organisées. Le coordonnateur du centre, dans son mot des circonstances, est revenu sur les différentes péripéties qui ont émaillé l'histoire de ces centres. D'abord sous tutelle du ministère de la Justice, puis celui des Affaires sociales et aujourd'hui le ministère de la Formation professionnelle et métiers. Les centres encadrent les enfants en situation difficile et les filles mères, issus pour la plupart des milliers défavorisés. Pour sa part, Antoinette Kipoulou-Kabenga a déclaré être venue encourager les responsables de ces centres et de surcroît tous les opérateurs privés du secteur qui encadrent les sans-emploi, dont le jeune. C'est une façon pour moi de vous encourager, de vous accompagner, parce que quand vous voyez votre ministre tutelle venir auprès de vous, c'est que nous avons vraiment besoin de travailler ensemble pour que nous puissions booster notre secteur de la formation professionnelle. Quant à la requête introduite pour la prise en charge du personnel, la ministre a promis d'étudier minutieusement la question en synergie avec les secrétariats généraux. En véritable mère de famille, elle a assuré qu'on finira par y arriver. Toutefois, il faut respecter les étapes et les critères. Rendons-nous dans la province du Congo central où les travaux de construction des routes qui mènent vers Banana ont repris, comme en témoigne ce reportage commenté par Pierre Mbuyo Saïdi. Nous sommes à l'entrée principale du camp Banana, en pleine commune de Nzanza, dans la ville portuaire de Matadi au Congo central. Ce coin, l'une des parties historiques de cette cité, est traversée par plusieurs avenues circulaires et artères longilignes qui les serpentent d'un bout à un autre, traversant ainsi les différents blocs, maisons d'habitation et autres constructions de ces camps, parmi lesquelles l'avenue Lumingu, Essabé, Mumba, Soukamboka, Sucrière et tant d'autres ruelles encore. Jadis délabrées et impraticables, ces routes avaient connu depuis près de 2 mois les débuts de l'ère Kir de Jouvence, avec une série de travaux de leur réhabilitation et modernisation, sans oublier la mise à niveau aux standards internationaux en la matière de leurs infrastructures connexes. Mais hélas, ces chantiers avaient connu un coup d'arrêt suite à la nomination récente d'une nouvelle configuration des animateurs territoriaux. Banda ba belge bakinda tuyamba ba commissaire urbain tout côté ma maire de la ville en tout cas. Depuis le départ des colons belges, nous n'avons jamais vu de tels travaux s'exécuter à Matadi. Dans ces 3 communes, mais le vent du changement de la territoriale a tout bloqué. Des cris de détresse et d'appel au secours des usagers routiers matadiens et habitants de cette partie du pays. Et sur instruction du gouvernement des provinces du Congo central, le docteur Guy Bandundungidi, le maire de la ville portuaire de Matadi, maître Patinzou Ziomakengedi, a réouvert ses chantiers et repris les travaux pour la grande joie et une liesse populaire de ses usagers. La Croix-Rouge a tenu dernièrement son assemblée générale. L'objectif était d'évaluer l'action humanitaire menée et les réalisations selon les prévisions budgétaires afin d'élaborer les perspectives pour l'année 2023. Reportage.
Au cours de cette assemblée générale ordinaire, 13 recommandations ont été formulées par 78 participants et ont voté à l'unanimité. Il faut qu'il y ait une organisation de formation des AGR dans toutes les communes, équiper les communes des appareils de communication. Par la même occasion, le président national de la Croix-Rouge a informé l'assistance de la politique du volontariat, Grégoire Matesso, est revenu sur l'utilisation et la promotion des secouristes avant de décortiquer le thème lié à la prévention d'exploitation, abus sexuels et la bonne conduite. Il faut changer notre méthode de gestion. Au lieu qu'on regroupe les volontaires au niveau de la ville ici, province que nous appelons, non, les volontaires à partir de leur communauté, lorsqu'il y a des catastrophes, ce sont eux qui sont en premier lieu sur le lieu pour intervenir. Concernant la gestion du catastrophe naturelle, le président provincial de la Croix-Rouge, ville de Kinshasa, Julien Kouyi, a rassuré qu'il existe de compétences au sein de l'organisation. Question de leur doter de moyens en vue d'atteindre le résultat efficient. Nous avons toujours demandé à l'État congolais, nous n'avons pas les matériels d'assainissement. On ne peut pas tirer des caniveaux et laisser les ordures à bord des caniveaux. La Croix-Rouge continue à contribuer activement pour assurer les bonnes relations dans le sens de la diplomatie humanitaire. Et c'est la fin de ce journal réalisé par Discover Pongo et Mamita Bangoulou, Gédéon Paula, Émile Zola, Ruben Kumbu, Ursile Loufoy, Joël Koudia étaient à la technique. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Eric Kabamba Kongolo. Très bonne suite de programme sur la RTNC.